Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DR46 pour le 27e épisode de notre série sur RimWorld après une grosse semaine d'absence, les vacances, tout ça, enfin bref, je vous réexplique pas tout, vous êtes au courant, donc j'ai lu tous vos commentaires, Réor, s'il y a une place, eh ben, tu vas pouvoir rentrer dans l'équipe, oui, deux chambres froides, c'est beaucoup pour le début, je me suis un petit peu ambiancé, j'avoue. Donc on va essayer de construire aussi des cuisinières, des fourneaux à bois. Enfin, en tout cas, des appareils de production qui fonctionnent pas à l'électricité. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé ça. On va aussi profiter de la venue, c'est vrai, des visiteurs avec qui on peut commercer en début de partie, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, commercer, moi j'aimerais bien, mais le problème c'est que je suis pauvre de chez pauvre. J'ai pas grand chose à offrir. Je mine comme un fou pour faire des choses au risque de voir Fleurette mourir dans un effondrement. Ça, je vous l'accorde aussi. Ça pourrait être un problème. Pendant ce temps, il y a Ben et Grimm. Là, on va se mettre gentiment en mouvement. Attendez, voir avec qui je peux commercer. Là, il faut qu'il ait un point d'interrogation sur la tête. Bah, c'est lui. Alors, par exemple, Yacine, tu vas aller trade avec lui. On va voir ce qu'on peut faire, mais à mon avis, pas grand chose. Puis là, c'est pas une très bonne idée. Hein. J'ai mes portes qui s'ouvrent tout le temps à travers la chambre froide. C'est encore une autre connerie que j'ai fait. Alors, des composants. Oui, ça, c'est la vraie denrée rare. C'est vrai. Je vais pas vendre Nietzsche. Non, ça va la tête. Donc, j'ai rien à proposer, mais j'ai de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, à proposer d'intéressant? Des reins, des BTL. De sentir heureux, ouais, c'est des puces. Ça me rappelle un jeu de rôle. À l'époque, je jouais un jeu de rôle papier qui s'appelait Shadowrun. J'étais même le maître du jeu. Et c'était des implants, enfin des puces BTL. C'est Better Than Life, donc qui te faisait tellement halluciner, mieux que la vie. Et les gens restaient crochés à ça, à mon avis. C'est directement inspiré de là. Parce que ça date, hein. Noyau d'IA, pantalon, d'étoffe, de l'or, sculpture, télévision. Hein. Télescope, cobra, singe. Écoutez, peut-être des médicaments. Oh, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Artefact de folie. Bah, je crois que je vais rien faire. Je vais rien faire du tout avec eux. Parce que j'en vois pas l'intérêt, très franchement, maintenant. On va peut-être faire une porte de ce côté-là. Au passage. Parce que si je fais pas les choses sur le moment, je vais me faire avoir. Ah, mais c'est où les portes? C'est pas possible. Je ne sais même plus comment on fait les choses. En bois. On va faire la porte là. Je me demande si je vais pas condamner cette porte ici. Très franchement. Hein, c'est ce qu'on va faire. Ok. Non, il veut pas. Bon, Ben fait à manger. Là, on a fait une salle commune. Oui, pour qui s'amuse, le fer à cheval. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Amusez-vous là. Allez, hop. En train de faire des tables, ça va aussi améliorer leur bonheur. Oui, on va encore leur dire de miner. Est-ce que combien j'ai de métal? J'ai rien de métal. Aïe aïe aïe, la catastrophe approche. Est-ce que j'ai pas de source de composants là, pas vraiment. Ah là, il y en a un peu, un tout petit peu. Je me demande avec quoi je pourrais les crafter après. Et j'ai besoin de métal pour terminer mes défenses ici. Là-bas en haut, je ne sais même plus. J'ai pas de tourelle. Hein. J'ai pas de tourelle, merde. Bon, là c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ici, la réfrigération sert plus à rien du coup. J'ai bien récolté le bois, hein, mis à part ça. Ah oui, pour ODB interface et puis coloniste, la barre coloniste, ça me met un message d'erreur. Mon cher Galapagos, ça ne fonctionne pas. Il me dit qu'il faut que je change la sauvegarde, je sais pas trop quoi. Alors peut-être qu'il y a une manip encore à faire, je ne la connais pas, j'avais pas le temps de regarder plus loin. Et j'étais bien frustré, mais le mec a laissé un message de 30 AV en disant qu'il bossait dessus, mais qu'il pouvait pas nous donner de date. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Bon bah on fera à la pogne, à la mimine, à la main. Bon. Mes récoltes, faudrait que ça aille un peu plus vite. Hein. Ouais, ça va, j'ai un peu de viande. Est-ce qu'on pourrait chasser un peu là? Est-ce que on peut récolter aussi au passage là? Un petit cadavre qui traîne dans ce coin. Il n'y a plus vraiment de gibier intéressant là. Hein. On va pas chasser du muffalo. Faudrait que je commence à en apprivoiser. Et combien j'ai d'ailleurs de travail?
Il y a Grim, Yacine, Ben, Fleurette. Alors, Roarouir, je sais plus ton nom, excuse-moi. Tu voudrais que je t'appelle comment d'ailleurs? Comme tu t'appelles là ou autrement? Bref. Il me semble que tout le monde fait des trucs là. Pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. Qu'est-ce qui fout le moins de choses? C'est Ben. Juste les passer en revue. Grim, comment il va? Santé, tout va bien, les besoins. Il est plutôt de bonne humeur, vêtements en lambeaux, ok. Not abandoned animals master, ça veut dire quoi ça? Ah. Est-ce qu'il est pas avec son animal? Mais c'est qui son animal? Est-ce que c'est Yorkshire? Non, c'est de Yacine. Est-ce qu'il voudrait peut-être, est-ce qu'il est apte à éduquer, à apprivoiser des animaux lui? Notre ami Grim, aptitude, optimise résistance au froid. Animaux 4, bof, je comprends pas. Est-ce que je lui indique que quelqu'un a... Je sais pas, on va le laisser comme ça. Les autres, Ben, comment il va-t-il? Besoin. Il a besoin d'un, il est optimiste, il est rempli de joie, il se sent bien. Yacine, noctambule en plein jour. Ouais, bon bah, t'as qu'à travailler la nuit, hein, mon gars. Ici, on peut vraiment rien échanger, il y a nos premières récoltes qui vont pas tarder. Là, j'ai pas un... Est-ce que je fais des champs en plus, là? Je crois que j'ai envie d'en faire. On va en faire, alors. Production... Non, non, non. Structure, zone. Zone agricole. Growing zone. Une là, 8 par 3. Là, bah, elle sera un peu plus petite. Là aussi. On va mettre... Est-ce qu'on a mis du houblon? Je crois pas. Houblon. Et des plantes qui soignent. C'était des... Milroot, ça j'en ai déjà. Ah, excusez-moi. Je rip. Pommes de terre, fraisier. Allez, non, des fraisiers, on en a déjà. Du coton. On aura besoin pour faire des habits. Pissenlit chêne, tech, cécropia. Faire du houblon, ça se vend bien après, je pense, pour la bière. Du coup, est-ce que... Non, là, ça n'a toujours pas été fait. Quand je dis ça, c'est-à-dire nos mitrailleuses improvisées. Tout le monde travaille, il y a du bois qui est en train d'être récolté, ça, j'en ai pas mal du bois maintenant. Là, ils ont chacun leur habitat individuel, enfin, non, pas tous, hein. Il y en a que trois. Est-ce que j'en fais un nouveau par là? On va dire de miner. Allez, pourvu qu'il n'y ait pas d'effondrement. Non, là, ça va être... Ça, j'ai merdé. On va miner. Voilà. Ça, ça fera une chambre, ici. Et puis là, on continue à miner tout cet endroit-là. Est-ce qu'à côté, j'ai des composants? Là, il y en a un peu, on va dire, de miner ça. Ça aussi. Il est déjà indiqué. Ok. Rien d'autre à proximité. Vraiment beaucoup de bois. Niveau réserve de nourriture. Plus beaucoup de viande. Pas du gibier intéressant dans le coin. Ouh. Là, il y a un lapinou. On va dire de chasser. L'écureuil, ça se chasse aussi sans trop de risques. Encore du lapinou. Pas grand chose d'intéressant dans le coin. Mais il y a quand même pas mal de ressources de montagne. Hein. Tiens. Voilà, je les désigne déjà, des fois qu'ils aient le temps de le faire. Les mufalos. On va essayer d'en dompter. Qui est bon pour ça? Mineur, regarde l'artisan. Il est où? Contrôleur, médecin. À chaque fois, voilà, le dresseur. 6 et 6. Fleurette. On va la mettre un peu au dressage. Autrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit. Ok, il n'y a pas grand-chose à construire. Et les arbres, j'en ai assez. Je vais pas en désigner plus. Donc, Fleurette pourrait faire ça. Maintenant, nos constructeurs. Ah oui, il y a les... Je dis, il n'y a pas grand-chose à construire, mais en fait... Bon, il y a Yacine qui sait construire aussi.
les tourelles, c'est que j'ai pas assez. Et notre mineur, on avait un mineur de l'espace, j'ai oublié qui c'était. Alors les gens partent, mineur, mineur, mineur. Ça se chevauche, c'est pas super agréable à voir. Minage, 12 sur 20, c'est Grim, ouais. Grim, on va le mettre en plus là. On va lui mettre une priorité en moins pour la ferme. Bon, il est l'heure d'aller se coucher et j'ai des problèmes d'électricité. Est-ce que je me mettrais pas aussi un moulin à vent, hein, une éolienne, énergie, fuel generator. Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi. J'ai du bois en plus. Ah, mais il faudrait que je vais y mettre à l'intérieur. Je le mets ici. Allez. Je vais faire comme ça, en attendant, ouais, c'est pas terrible, mais sinon ça va péter, et puis je sens que je vais pas avoir le temps de... Ancien danger. Dès qu'il y a Yacine, qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, c'est là où il y a les méchants. Yacine, il est en train de chasser avec un pistolet. Je crois. Qu'est-ce qu'il fait, Yacine? Chasse l'écureuil. Ok, bon, bah chasse l'écureuil, écoute, mon gars. C'est la nuit, c'est ce qu'il aime faire. Il y a Fleurette qui est en train d'essayer d'apprivoiser des animaux. Le générateur, c'est bien beau de le mettre là, mais il faut que je le relie. Je vais enlever un lit. On va désinstaller ça. Tant pis, c'est pas grave si c'est un lit médical à côté. Je pense pas que ça change grand-chose. Câble électrique. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que j'ai fait une bêtise encore? Donc il va construire là-bas. Là, c'est toujours pas fait. Est-ce qu'il me manque... Ah, c'est des composants. C'est des composants qui me manquent. C'est pas du métal. Enfin, aussi du métal. Mm-hmm. D'accord, d'accord. D'où l'importance de choper tout ça. Alors, à l'intérieur, c'est de combien? Indoor, 18 degrés, bah oui. Ça va pourrir ça, parce que en plus, je peux pas alimenter mes réfrigérateurs. Aïe, aïe, aïe. Et là, tout le monde va dormir. Bon, vivement qu'il fasse jour. Vivement qu'il fasse jour, qu'on aille un petit peu d'énergie, parce que là, bah, je me suis fait avoir. Je comprends pas, est-ce qu'il y a un problème de... C'est pas relié? Non, c'est relié, là. On va voir tout de suite, avec l'arrivée du soleil, ce qu'il se passe. Voilà, ça charge. Non, là, c'est bon, ça a alimenté ici. J'arrive juste pas à charger les batteries, hein. Je suis juste à la limite de la limite de la limite. Je pense pas que ce générateur va beaucoup aider. Ah, c'était le lit de Ben ici en plus. Il faut que j'en désigne un autre. Bah, on va faire ici. Tac, ça va être sa chambre. Hein. Pourtant, bois. C'est pas encore aménagé, mais enfin, c'est la vie. Allez, hop. Tu vas me prioriser ça. On va lui faire une petite chambre toute sympa. Le lit, où est-ce qu'il a été déposé? J'ai mis de désinstaller. Mais c'est que j'ai mon stock de matériel. Bah ici. Allô, allô. On va l'installer ici. Ce sera son lit, c'est parfait. Ok, on n'arrive pas à charger les batteries. Il faut vraiment que quelqu'un nous construise ce générateur. Allez, on accélère le tout. On fait des rations à manger. J'ai 11, ça va. Au moins, on n'aura pas gaspillé. Terminer les sols, maintenant que j'y pense. Tac, tac, tac. Un lampadaire qui ne sera pas alimenté pour l'instant. Donc là, il faut du fuel. C'est bon, ils amènent du bois. J'espère que ça va pouvoir remonter les batteries. Est-ce que j'en construis un deuxième? On va peut-être
Ah, on est en train de construire ça, mais il manque toujours des composants. Ouh là là, ouh là là. Ça va peut-être un peu vite là pour moi. Énergie. C'est un peu du gaspillage. Hein. Je pense que ça devrait suffire comme ça. J'espère. Est-ce que je fais un deuxième générateur? Je pourrais. Hein. Il va peut-être. Les gens vont s'intoxiquer au CO2 là-dedans, à mon avis. Ouh, de la nourriture. Alors, qui peut venir prendre ça vite? Mince, je suis où? C'est ici. Et le camp est là, voilà. Fleurette, il va directement, c'est parfait. Ben, j'aimerais bien que tu y ailles aussi. Et on va le laisser déposer ça. Est-ce qu'il y va? Non, il va faire à manger. On va lui dire de transporter aussi. Allez. Bon, pour l'instant, ça va pas trop mal, me semble-t-il. Là, on a un habitat pour tout le monde. On a une salle commune, d'ailleurs, que je vais fermer au passage. Ah, de nouveau la dèche d'électricité. Là, il y a du fuel dedans pour 4 jours, ça 1000 watts. Ouais, bon. Mais là, pendant la nuit, ça ne marche pas ou quoi? Connecté. On dirait pas que c'est connecté. Câble électrique. Est-ce que c'est... J'ai des doutes. J'ai des sacrés doutes. Est-ce que j'ai pas fait... Non, ça s'est connecté, c'est bon. Tout est connecté. Mais j'ai... Oh non. Il est tout seul. Mais je suis pas super bien, super bien. Oh, il y a des rations de survie en plus, là. Je peux pas les sélectionner toutes d'un coup. Alors, s'il tombe les années sur lui, heureusement, il est tout seul. C'est pas mal. Il est quoi? Il est armé d'un couteau? Il est rasoir en métal. D'accord. Ça devrait aller. Par contre... Évidemment, là, mes tourelles, je peux pas compter dessus. Il faudrait d'ailleurs que... Ouais, non, ça, c'est bon. C'est relié. Qui est-ce qu'on a pour se battre un peu? Ben. Ben, aptitude au tir. 13, ouais. Bon, bah, on va laisser un petit peu venir pour l'instant. Notre ami Benjamin... Je me demande si je construis pas des panneaux solaires en plus. Ah. Je pense qu'il va se décider à attaquer. Voilà. Les pirates. Les pirates et de les hommes arbalètes. Ok, mec. Fais chier. J'ai pas de jus pour. Ça ne marche pas, ça. Ça ne fournit pas assez. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Parce que c'est vraiment relié, hein. Bon, bref, l'homme arbalète. Je pense que je vais devoir sortir Ben, on va voir. Ah non. Il y a elle qui a du jus? Comment ça se fait? Résiste, résiste, prouve que tu existes. Est-ce qu'il pourrait... Voilà, ça, c'est pratique. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Bon, on va déshabiller et puis la vie continue, hein, moi je dis. C'est quoi? Rasoir médiocre. Ouais, bon, on va prendre, on pourra toujours vendre. Il n'y a pas de petit profit, surtout en début de partie. Alors. Non, c'est bon. Il faudra dégager ce cadavre. Ah non, pour prendre des organes ou de la chair humaine. Est-ce que... mais il faudrait que... Attendez. J'essaie de pas faire trop de bêtises. Qui était le psychopathe qui pouvait faire ça? Je sais pas si je peux interdire à un de le faire pour pas qu'ils deviennent tous à moitié fous. Yacine,
Aptitude psychopathe. Oui, lui, il peut faire ça. La cuisine, il a rien du tout. Et puis là, normalement, j'avais interdit de faire de la viande humaine. C'était dans. Aussi ce qu'on. Dans ajouter une tâche. Non, c'était pas là-dedans. Mince, mince. Comment je mettais? Excusez-moi, j'ai un blanc monstrueux, alors que pourtant j'avais vu comment le faire. Ah non, c'était ici. C'était ici pour le, pas pour cuisiner. Dépecer une créature, détail. Humanoïde. Autoriser les corps d'étrangers, cadavres humains. On va essayer. Mais du coup. Bon, on va essayer. Ça me fera de l'argent. Bon, il faut qu'on survive au début. Simplement, c'est pas Yacine qui va s'en charger forcément, hein. Sauf si. Cuisinier. Je le mets en. Si je le sélectionne lui, en fait, je pourrais faire comme ça. Nettoie le sang des habits Benjamin. Howling. Ouais, ça devrait être comme ça. On va. Je sais pas s'il va l'amener pour le dépecer directement. Ou le mettre au cimetière. Ah, il va le mettre au cimetière. Bon, tant pis. Je suis pas non plus super fan, mais normalement. Dépecer créature une fois, détail. Normalement, ça devrait pouvoir le faire, ça. On va voir. C'est Grim qui. Non, il va pas le chercher. Là, il va chercher, je pense, des rations de survie. Ah mince, il y a un lapin qui a été buté, qu'on n'a pas récupéré. Ouais, il va prendre des rations de survie. Ok, bon, ici il y a miné des composants, ce serait pas mal. Ah bah, c'est en train d'être fait. Là, on a pu construire. Comment terminer, dépecer une créature? Me dites pas qu'ils l'ont fait. Bah oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça a été fait une fois. Je ne sais pas qui l'a fait. Bon, il y a Yacine qui joue. Est-ce qu'il va bien? Il vient de voir un corps pourri, souffle légèrement. J'ai pas vu qui l'a fait. C'est Fleurette? Elle est nue, Fleurette? Il faut prendre les habits là, habille-toi. Vêtements, lambeaux, très faibles attentes. Est-ce que c'était Grim? Ce sont. Ah oui. Et à manger sans table. Mais comment ça va? Il y a tout ce qu'il faut ici, là. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on débarrasse toutes ces pierres. Et. Ah oui, parce qu'ils peuvent pas accéder aux tables, si ça se trouve. Si ça se trouve, qu'est-ce que je suis con? On va leur dire un peu de miner aussi, là, on en a besoin. Là, personne n'est mort pour l'instant, pas de drame, je vous en supplie. Voilà, c'est notre carrière. Ok. Niveau énergie, pas chier. Hein. Est-ce que je me fais à d'autres panneaux solaires et puis voilà, on discute plus. Là, en plus, j'ai du soleil, c'est parfait. Ça sera relié, j'espère. Alors là, normalement, détail. Là, c'est bon, on a assez de plats, on a en plus des rations de survie, on va les laisser se concentrer sur d'autres choses. Voilà, on ramène un petit peu des baies. Ok. La recherche, qu'est-ce que ça dit d'ailleurs? En cours. Voilà, pour faire des fibres à partir des champignons. Ok, ça c'est bien. Du bois, j'en ai assez. Du métal, on est en train d'en prendre. Là, on a notre salle commune. C'est quoi ça? Ah, c'est le seul qui n'est pas encore complètement fait. Donc, on va remédier à cet oubli intolérable.
Moi, je dis qu'ils sont bien là. Il faudrait que je mette une balise pour le commerce orbital. Oui, le commerce orbital. C'est dans quoi? À chaque fois, je passe 2 heures à le chercher. C'est pas dans production, c'est pas, ce serait pas dans équipement. Dans loisirs, dans vaisseaux, dans divers. Sécurité, non, seul. Et voilà ce bruit qui m'énerve. Je suis passé. Parce que j'essaie de parler en même temps et puis j'y arrive pas en fait. En fait, je vais peut-être trop vite. Dit Royal. Je comprends pas. Où c'est que c'est? Armée des pièges, ça c'est les ordres, c'est pas là que je vais trouver ce qu'il me faut. Distributeur de pâte nutritive. Est-ce que c'est bien ça? Franchement, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Ça pour faire des habits, ça serait pas mal, hein. Je vais en avoir bientôt besoin. Surtout qu'il me semble qu'il y en avait qui se débrouillaient pas trop mal. Ça mange pas trop de pain. Mais ça m'a. J'essaye de cacher la merde au chat. J'aurais dû faire ça en fait au début. La balise, où est la balise, où est la balise? Je parle pas, hein. De toute manière c'est la nuit et c'est bientôt la fin de l'épisode. Je laisse profiter de ça. Non mais c'est pas possible. La balise! Est-ce que je l'ai pas encore débloqué ou. Éolienne, non. Dites-moi que je suis passé devant 50 fois. Mariage spot, party spot. Ah, je pourrais faire un party spot au passage. C'est ici qu'on se marre, ici. Hop là. Party spot sans électricité. Bah, peut-être que je dois la débloquer, je ne sais pas, parce que. Très franchement, là, j'ai tout passé en revue. Lampe solaire. Je ne sais pas. C'est pas encore disponible. Pas encore disponible, je ne vois pas en tout cas. Si je regarde justement dans recherche. Fabrication de tapis microélectronique. Ah bah oui. High-tech. Voilà. Bon, on va rechercher ça. Vous savez quoi? J'aurais mis tout ce temps pour rien. Mais enfin, au moins j'aurais compris. Ça vous évitera de le noter dans les commentaires. Ah oui, là, j'ai une tourelle là. Deux tourelles là. Bah tout ça, ça consomme. Hein. Mais, un deuxième générateur qui va être construit. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça soit priorisé tout ça. Est-ce qu'ils le font pas parce que j'ai pas assez de ressources? Bon, il va miner. Ben. Ouais, pour le solar generator, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, là c'est connecté, ça. Hein, ok, très bien. J'aimerais bien avoir des bonnes réserves pour la nuit parce que là, ça va pas tenir sinon. Vite, 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 encore un. Ah, on commence à avoir des récoltes de riz. Ça, c'est bon, ça. Ah, avec toutes ces récoltes. Oula, 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 on se calme, on se calme. Malaria. Qui est malade? C'est Ben. C'est qui notre médecin? J'ai déjà oublié. C'est Grim. C'est quoi ça? Broken down. Ok. Ah, ça peut se péter comme ça. Bon. Alors, il faudra le réparer, les gars. Hein. C'est ce qu'il vous reste à faire. Ça, c'est le heal route qui est à 56% de croissance. Bon, bah, tout va à peu près bien pour l'instant. Des défenses correctes, de la nourriture correcte, des ressources, il manque du métal et puis des composants, on peut pas dire que j'en chie. Comment on les voit les composants? Ici. Voilà, j'en ai qu'un de composants, donc c'est vite vu, je suis à sec. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que j'ai miné tous les petits endroits que j'avais notés? Non. C'est quoi ça? C'est du plastacier? Ouh, il y a des choses intéressantes là. On va les désigner et puis conclure l'épisode. Ça va prendre du plastacier, j'en aurais besoin dans pas trop trop longtemps à mon avis. Puis continuer à miner le filon de métal qu'on a ici. Il y en a encore. Ouais, il est pas loin.
Voilà, personne n'est mort dans les mines, on est content. Tout le monde est bien posé, il faudra juste un petit peu nettoyer là, c'est pas très joli. Allez, on transporte tout ce bordel, et puis la colonie commence à ressembler un peu à quelque chose. Qui est de mauvaise humeur? On va pas se quitter sur une note de mauvaise humeur. C'est Ben, bah oui, t'es malade mon gars, mais il y a Grimm qui s'occupe de toi. Malaria peu importante, et il a une insolation. Bah oui, il est tout rouge, c'est chopé une insolation le mec. Eh ben, y a vraiment toutes sortes d'ajouts, hein. C'est de la folie les mecs. Hein. Pute et tequila, comme on dit dans le jargon. Sur ce... Je dépasse allègrement la demi-heure, je me suis emballé, ça faisait longtemps, hein, et quelques petites minutes en bonus. J'attends avec impatience tous vos commentaires, notamment les Galapagos, si tu as une solution pour que je puisse implémenter la colonist bar, parce que ça ne marche pas, si je dois faire une manip particulière, auquel cas, je te serai encore une fois très reconnaissant. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, c'était DR436 sur ImWorld, et je vous dis à très bientôt, ciao.